Salut le réseau, bienvenue dans Planet of Boss. Aujourd'hui je reçois un entrepreneur, quelqu'un que je connais bien, quelqu'un que j'aime beaucoup. On va parler entrepreneur, on va parler entreprise, on va parler réseaux sociaux, on va parler recrutement, on va parler influenceur, chatbot, métamoteur. Vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Mathieu Lemonnier. Merci d'être venu m'accueillir. Donc on se connaît. Depuis longtemps. Hein, on a travaillé ensemble pas mal de temps. Puis on se suit régulièrement. Et ça me fait super plaisir de te recevoir dans le deuxième Planet of Boss. Et donc je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Et on va commencer tout de suite avec ton actualité. C'est le petit moment pitch. Très bien. Donc c'est quasiment le seul moment où tu vas pouvoir pitcher. Après, on discute, on échange. Ok. Merci Dan, je suis ravi d'être là. Du coup, moi j'ai rejoint en fait une startup. On est éditeur de solutions conversationnelles et en fait on vient craquer des secteurs. On vient craquer le secteur du RH, de l'immobilier, de la formation, du SAV pour gérer les conversations entre des individus et des marques. On le fait à travers différents produits et différents services avec historiquement des chatbots, mais on fait des sujets beaucoup plus évolués avec des moteurs de recherche intelligents, des animations de base. Et ça, on le fait de manière complètement omnicanale à travers des WhatsApp, Messenger, Instagram et autres. Donc, ouais, tu changes un petit peu la manière dont tu communiques entre un fournisseur et ses clients. Ouais, en fait, on va repenser complètement l'expérience utilisateur. Ouais, l'expérience on va utilisateur. La rendre beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique, beaucoup ouais. plus connectée, beaucoup plus dynamique. Et le but du jeu, en fait, c'est de faire tout ça avant tout au service de l'utilisateur. Et puis après, pour les marques, d'avoir des meilleurs taux de transformation, d'avoir des meilleures générations de leads, transformation de business et autres. Et aujourd'hui, donc, tes clients, c'est quelle typologie d'entreprise ? On s'est adressé dans un premier temps sur des grands comptes. Hein, donc, ça va être des Carrefour, des Deloitte, des SNCF, des groupes La Poste. Des gens qui ont du volume. Des gens qui ont des enjeux de communication, des gens qui peuvent gérer des flux entrants ou des gens qui sont extrêmement sensibles à leur image de marque et qui souhaitent apporter la meilleure expérience client. Et alors là, on parle, parce que bon, à la base, tu as fait du recrutement, mais là, on parle recrutement. Ouais. Alors en fait, historiquement, on a commencé sur les sujets recrutement parce que c'était ce qui est le plus facile pour nous. On avait une très bonne connaissance du sujet. Mais on a ouvert d'autres briques. On a ouvert des briques sur l'immobilier, ouais. où justement, bah, on va aider les gros acteurs de l'immobilier à offrir un meilleur catalogue. On va les aider à mieux transformer leurs visites. On va aider à générer des rendez-vous directement à les agences. On va les aider à évaluer leurs biens. Et tout ça, ça passe par nos systèmes. Donc d'accord. Là, après, les briques, on adresse l'immobilier, on adresse la formation, on adresse le SAV. Donc, à partir du moment où tu as, on va dire, du B2C qui communique avec un client. Exactement. Toi, tu peux mettre en place tes solutions. Tout à fait. Soit via du moteur de recherche, soit via du chatbot, du WhatsApp, etc. Quoi. Donc notre enjeu, en fait, il est clair, il est comment est-ce que nos technos viennent au service du business okay. pour nos clients, quel que soit l'objectif. Hein, l'objectif va être de recruter, il va être de faire du business, il va être de mieux transformer, il va être de fluidifier la communication. D'accord. Donc je précise, ça s'appelle KMB Lab. Tout à fait. C'est ça. Et KMB pour Kick My Bot. Voilà. Mais qui est devenu réducteur parce qu'on ne fait plus que du chatbot. C'est ça, d'accord, ok. Mais d'où le KMB. Tout à fait. D'accord, mais c'est important de le dire. Ouais. Voilà. Même si le chatbot, ça reste encore, enfin, je ne sais pas pour toi, mais j'ai quand même encore l'impression que ça reste quelque chose que tout le monde a envie de faire, mais que les gens ne savent pas trop encore comment le faire. Ou ils ont des expériences qui sont assez décevantes. Ah. C'est vrai que le marché des chatbots, c'est un énorme marché. Aujourd'hui, il y a différentes solutions. Soit tu peux faire le chatbot tout seul dans ton coin. Et potentiellement, ça peut répondre à tes demandes. Soit tu vas pouvoir avoir un mode un peu SaaS où pour quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, tu vas pouvoir une petite technologie qui va globalement plus ou moins bien gérer ouais. ton flux entrant. Après, dès que tu vas arriver sur des problématiques un peu plus complexes, tu veux gérer du vrai conversationnel, bah, tu vas passer sur des solutions un peu plus capées. Et ça, c'est sur le positionnement qu'on okay. a aujourd'hui. Dernière question sur cette activité. C'est quoi la différence ? C'est quoi votre valeur ajoutée avec ce qui existe ? Notre valeur ajoutée, bah avant tout, je pense que c'est la techno. Hein. On a vraiment une technologie qui est hyper poussée, qui est hyper aboutie et qui a des taux de transformation sur les conversations qui est assez intéressant.
Notre différence, c'est de l'approche sans mesure aussi. Donc, ouais. Globalement, là où on va te dire, bah, pour brancher nos systèmes, il faut que toi, tu viennes avec directement tes équipes de dev et que compagnie, nanana, c'est compliqué. Et ben, nous, on va le faire pour toi. On fait du coup du sur-mesure. Et ça, c'est hyper important pour nos clients. Sur-mesure. Et puis après, bah, c'est tout l'accompagnement qu'on peut mettre au quotidien pour que ton projet, en fait, il se passe pour le mieux et que derrière, tu aies les meilleures transformations. C'est toujours la start-up. Culture start-up hyper forte. Petit chez un grand. Exactement. C'est toujours mieux qu'un grand chez un petit. Exactement. on nous l'a rabâché pendant pas mal de temps. Alors justement, viens, on en vient à ton parcours. Alors moi, je t'ai connu chez quel job ? Ouais. T'es chez quel job ? Mon premier job. C'était dans 2006 que t'étais rentré. Ok. Ça nous rajeunit pas. Et alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Moi, je suis normand à la base. Je suis arrivé à Paris pour faire mes études. J'ai fait une école de commerce post-bac assez traditionnelle et classique. Et l'envie d'entreprendre, ça a toujours été un truc qui était un peu inné chez moi, où ça m'a toujours botté. Dans mon environnement, même dès tout jeune, c'était quand même très entrepreneurial, que ce soit ma famille ou mes amis et compagnie. Donc je fais mon école de commerce, je fais plein de stages et compagnie, et puis à l'époque je trouve un job, j'avais regardé par rapport aux critères quels sont les jobs les mieux payés, je vois un truc, quetjob.com, donc à l'époque on pouvait gagner jusqu'à 55 000 euros, je me dis pour un premier job c'est incroyable, et je me suis dit tiens je vais aller voir ce qui se passe quoi, je me dis je suis curieux quoi, et puis je suis arrivé dans ces bureaux rue du Santé dans cet énorme open space, et là je me suis dit mais si c'est ça la vie d'entreprise c'est génial quoi, tu voyais que des gens globalement jeunes, ça a l'air de se marrer, avec un projet qui était sympa et une mission, en tout cas à l'époque la mission de Quel Job était vraiment hyper cool. Les matchs de l'équipe de France avec Quel Job, offre d'emploi et de formation sur internet et sur mobile. Et je me suis dit bah c'est ça en fait, et donc c'est là où en fait j'ai mis entre guillemets mon premier pied dans le monde professionnel. Ouais. Et c'était vraiment premier job. Ouais, d'accord. Premier job. Ouais. Et à l'époque, du coup, bah, mon job, c'était de commercialiser les solutions de Quel Job dans le secteur du BTP, transport et logistique. Ah. Donc, autant te dire qu'en 2006, quand tu arrivais, tu disais, vous inquiétez pas, vos annonces sont reprises sur yahoo.com et compagnie. Tu disais, bah, c'était un peu le mien. Donc, c'était cool, c'était très apprenant pour moi parce que hyper formateur. Ouais, carrément. Très formateur. J'ai pris des bonnes bâches. Hein, ouais. Et on me disait, vas-y, fonce. Et du coup, bah, j'ai fait ça pendant quasiment 7 ans. Alors après, Quel Job est devenu Aden Classifieds, puis Figaro Classifieds. C'est fait racheter par le groupe Figaro. Exactement. Etc. Et donc, fusion avec Cadre Emploi. Ouais. Et puis après, mon job, il a un petit peu évolué aussi, dans le sens où, là, où je faisais que de la prospection. Après, je m'occupais de comptes un peu plus sympas. Et puis après, je m'occupais des grands comptes. Et puis, c'était dans un écosystème Figaro où tu avais plusieurs marques. Donc, c'était rigolo. Et moi, ce qui m'a vachement marqué, c'était de me dire la chance que j'ai eue sur cette première expérience de dire j'arrive dans une boîte. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas, on était 60 ou 70 peut-être. Ouais. Et quand je suis parti, on était 450. Donc, tu as cette sensation que. Le monde du travail n'est que croissance, n'est que dynamisme, n'est que c'est vrai qu'on projet. C'est vrai qu'on a connu quelque chose d'exceptionnel. Franchement, on a eu une chance monstrueuse. Ouais, et moi, je me dis souvent que la première expérience, elle est clé. C'est clair. Elle est clé. Et ce qui était sympa aussi, c'est que du coup, tu étais amené à changer de job plus régulièrement, changer d'équipe, changer de manager. Enfin, ça bougeait, quoi. Ah ouais. Donc, j'ai fait ce cycle de 7 ans qui était génial. T'en gardes un super souvenir. Top, franchement. Ouais. Je pense que tous ceux qui sont passés par là, ouais. On en garde tous un super souvenir. Et donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et puis, à un moment, j'ai vu à l'époque les réseaux sociaux qui se sont amenés un peu à se développer un peu plus. Quoi. Et puis, à l'époque, c'était Viadeo. On me disait, ouais, il y a un nouveau réseau social qui va arriver qui s'appelle LinkedIn. Personne ne savait le prononcer à l'époque. Il y avait 200 000, 300 000 personnes. Facebook, c'était très... Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'y arrivent toujours pas. Et Facebook qui se développait aussi. Et puis, un moment, je me dis, bah, moi, par rapport à une cible de clients que j'adresse aujourd'hui depuis 7 ou 8 ans, qui sont quand même des gens liés au recrutement, au monde de la marque employeur et compagnie, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une agence qui se positionne pour accompagner ces gens-là. Parce que c'est clair qu'il va y avoir un sujet qui va arriver, qui va être hyper important pour eux. Et donc, c'est là où, en fait, je me suis dit, tiens, le Figaro, c'est super, mais j'ai connu la période un peu... de croissance, dynamique et compagnie, on rentre dans une dimension qui est différente. Ou, plus structurée, plus établie. Ouais. Où là, effectivement, quand on a connu cette adrénaline, on a envie de continuer à le côtoyer. Quoi. Exactement. Ouais. Et puis, du coup, j'ai creusé le sujet.
Puis à un moment, je me suis dit, mais il faut y aller, quoi. Faut y aller. Ça correspond aussi à un moment où je venais de faire 7 ans dans une boîte. Bon, à un moment, je me dis, c'est quoi la suite de l'aventure dans les sociétés un peu traditionnelles. On va dire que la suite de l'aventure, c'est obligatoirement du management ou c'est pas le truc dans lequel en fait je me disais je vais m'éclater et puis je voyais aussi un peu potentiellement un espèce de plafond de verre. Mais t'as managé chez Figaro? Pas du tout. Non, t'as pas du managé, tout. D'accord. Et donc je me dis, tiens, bah, moi j'ai une super idée, je vais accompagner sur les recrutements de marque employeur sur les réseaux sociaux, je vais créer une agence. À l'époque, on me dit, t'es un malade, pourquoi tu fais ça? Tu connais que dalle, j'avais même pas de compte sur Facebook. Et en revanche, j'avais quand même cette conviction de me dire, mais c'est sûr. Il va se passer un truc. Toi, tu avais la vision. C'était validé, en fait. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est sûr et certain que ça va arriver. Et tu t'es dit quoi? Alors, je monte mon truc seul de mon côté. Je pars seul. Ouais. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Je me suis dit, j'en ai parlé avec 2-3 personnes à l'époque. Hein, et puis, comme toujours, tu sais, quand il faut sauter dans le grand bain, tu as des gens qui disent, ah, ok, pas de problème. Et puis, le moment où il faut sauter, il n'y a plus personne. Quoi. On connaît ça. Et donc je dis, moi je m'en fous, j'y vais, en fait c'est sûr, je suis enfin voilà, j'ai énormément de convictions, j'ai envie d'y aller. Et donc c'est comme ça que j'ai créé à l'époque MyRH Community, donc naissance de MyRH Community en 2012. Donc MyRH Community, hyper gros succès aujourd'hui, enfin ouais, avec le recul maintenant, j'imagine ça s'est pas fait en claquant des doigts, Donc raconte-nous un petit peu je sais pas, les premiers temps, le démarrage. Ouais. Ce qui est vachement sympa et difficile, hein, c'est que tout le monde te dit, ah, c'est génial, c'est top d'avoir créé ça et compagnie. Quand tu vois des gens pour dire, si tu veux, c'est top et on y va, on va bosser ensemble. Ah ouais, mais alors attends, parce que là, bon, ce qui serait bien, c'était. Ah oui, on les connaît. Ce qui ne veut pas dire qu'ils travailleront jamais avec toi. Non, mais bon, soit très gros et puis je travaille avec toi. Ouais, si tout le monde te dit ça, à un moment, tu travailles avec personne. Quoi. C'est ça. Donc, les débuts, c'était. La première année, c'était hyper intense. C'est-à-dire que là où j'étais, ça m'a jamais démotivé, c'est que tous les gens que je rencontrais, ils me disaient, c'est clair, il y a du potentiel, on va avoir besoin de tes services et compagnie. Quand tu leur disais, bon, maintenant, on y va, les gars, je suis prêt, quoi. Hein. Ah bon, on va peut-être attendre les compagnies. Donc la première année, c'était assez difficile, hein. Mais on a eu de la chance, enfin j'ai eu de la chance à l'époque. J'ai signé rapidement un premier deal au final avec la Caisse des dépôts et toutes les entités de la Caisse des dépôts. D'accord. Donc à l'époque, c'était le truc qui me changeait la vie, c'est-à-dire de dire vraiment la boîte, le client institutionnel et toutes les entités. Donc en plus, moi j'en faisais des caisses et tout le groupe Caisse des dépôts et compagnie. Ouais. On avait une mission qui était sympa, qui était de faire tout un audit des réputations pour eux à l'époque. Hein. Et le timing était parfait parce que c'était le moment où en fait j'avais rencontré la personne que j'allais recruter. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur au tout début, tu te dis ok, mais je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, donc je vais pas d'abord staffer. D'accord. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais ça veut dire que pendant un an, c'était seul? Ouais, pendant un an, j'étais seul sur mon bureau, chez moi. D'accord. Et avec ma femme qui me disait ça, ça a été ta journée. Je dis ouais, t'inquiète pas, ça va le faire. T'as rien lâché. Pendant un an, t'as rien lâché. Ouais. Je pense que j'ai dû passer je sais pas combien de coups de téléphone. Mais avec quand même cette conviction hyper forte, et tous les clients à qui je raccrochais qui me disaient ça nous intéresse, mais pas pour maintenant la compagnie, ils me disaient tous ça m'intéresse. Vraiment, je me dis ça va le faire, quoi. C'est pas possible. Quoi. D'accord. En parallèle de ça, il y avait un enjeu énorme d'évangélisation. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on revient, LinkedIn, il y avait 500 000 mecs sur LinkedIn. Personne ne savait le prononcer. Tout le monde te dit c'est pour les boîtes internationales. Ah, ouais, bien sûr. Viadeo, ça avait le vent en poupe, mais bon, c'était un petit peu différent. Facebook, on disait non, mais jamais de la vie. Le sujet de la stratégie social media, à l'époque, ça me faisait rire. Tout le monde te disait, non mais le social media, tout le monde gère. Vous êtes tous ambassadeurs, vous postez tous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, ça va le faire. Ah non, en fait, j'en disais, les gars, c'est pas possible ça. Quand t'es une énorme société, tu peux pas faire ça. Mais c'était le début, ça veut dire que c'était vraiment l'éducation. Ouais. Et puis c'était la découverte, même pour les clients, j'imagine. Enfin, ouais, pour eux, beaucoup. Eux, découvraient. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, mais à l'époque. Hyper structuré. Ouais. À l'époque, c'était pas structuré. Et puis t'avais tout à faire, tout à imaginer, tout à penser, quoi. Ça me rappelle quand j'ai commencé chez Quel Job, justement. On vendait donc des redirections, donc des offres d'emploi sur les sites internet des entreprises, mais ils n'en avaient pas. Et donc il fallait déjà leur vendre le fait de leur faire leur site emploi. C'est beau ça. Non, mais c'est un peu la même chose. Mais c'est clair qu'on a attendu, quoi. On avait des clients dont on gérait leur page sur LinkedIn, ils n'avaient même pas de compte LinkedIn. Ouais, donc quand tu me dis, t'as vu ce qu'on a fait, on s'est donné du mal, hein, franchement. Elle dit, non, je peux pas te dire, je ne suis même pas sur LinkedIn, je ne vais jamais.
Bon, bah, c'est cool, mais c'était un peu dommage quand même, parce que tu vois, on donnait tellement de mal pour bien faire les choses. Mais bon, bon an, mal an, là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a été hyper bien positionné, je pense, dès le début, et qu'on était bien identifié comme un acteur de référence sur ce sujet. Ça, c'était un vrai parti pris de se dire, nous, on est hyper spécialisé. On est l'agence social media dédiée pour les sujets recrutement marque employeur. À la base, c'était notre positionnement. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand les réseaux sociaux se sont développés, LinkedIn, quand je suis parti, il y avait 21 millions de monde. Ouais, vois, donc, on a eu cette traction qui était intéressante où globalement, il a fallu recruter une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis au bout de deux ans, je me suis dit, tiens, le business model, je pense qu'il est vraiment validé. L'enjeu, il est de se dire comment est-ce qu'on va bien se structurer, comment on va bien se développer, parce que je suis persuadé, ça va rouler, quoi. Et donc, c'est à l'époque, du coup, je me suis dit que j'allais recruter un associé. Parce que j'avais un associé, mais qui était dormant, qui m'avait servi au tout début, et qui est un de mes super potes, hein, mais qui m'avait vachement servi pour asseoir un peu le positionnement de l'agence. Lui venait d'agence, et j'avais des gros budgets et compagnie. Mais, et c'est qui cet associé? Qui est arrivé? Ouais. Alban Salini. Ah. Alban Salini. Que j'aimerais bien recevoir un jour dans Planet of Boss aussi. et du coup, en fait, à l'époque, c'était encore nos chemins se croisaient. On était restés hyper proches avec Alban, et je lui dis, viens, moi je te jure, Alban, le projet. Ça marche, quoi. Tu vois, le business est validé. Maintenant, je vais avoir besoin de toi pour des enjeux de management. Je vais avoir besoin de toi pour m'aider à structurer, pour apporter une vision complémentaire de la mienne. Et puis, à un moment, l'association, pour moi, en tout cas, elle était hyper importante, quoi. Toi, tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont directement créé leur société sans apprendre à manager. Ça, je pense que parfois j'ai dû le payer. Non, mais ça va être difficile. Bah, ça, certainement, parce qu'on fait tous des erreurs. Ouais. Je pense que l'erreur fait partie de notre quotidien. À la base, moi, j'ai jamais managé. Ouais, mais c'est ce que je comprends là, et c'est, je trouve ça énorme. Et en plus de ça, j'étais tellement omnibulé, je passais tellement mon temps à pitcher, à regarder les trucs de la boîte et compagnie, que je pense que j'étais un manager sympa, hyper fidèle, hyper reconnaissant et compagnie, mais j'oubliais plein de trucs, quoi. Les trucs qui sont surtout au début, les clés du management. Et parfois j'avais Alban qui me voit en bureau, non mais tu peux pas dire ça, quoi, tu vois. Je dis, mais attends, je te dis juste ce que je pense, de manière très transparente, et je veux pas blesser les gens ou les vexer ou les. Ouais. Mais du coup, c'est là où on faisait un bon binôme, quoi, parce que il venait parfois pour me tempérer. Donc Alban, il est venu faire le manager. Exactement. Et faire le lien entre les équipes et toi, quoi. Ouais. D'accord. Mais ouais, du coup, notre association, c'était vraiment, pour moi en tout cas, hyper positif. Hein, et pour Alban aussi, je pense. Ouais. Mais c'est un bon duo. Au final, vous avez écrit une belle histoire. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, partir from scratch sur une activité, c'est pas donné à tout le monde de réussir. Ouais, non, mais ça, on dit, tu vas te planter plein de fois avant de réussir. Bon, je croise les doigts, mais par chance, on a réussi du premier coup. Je suis super content, je suis hyper fier de la marque qu'on a créée à la base, de l'Arrange Community, puis de Social Republic. Je suis hyper fier que c'est bien fonctionné, je suis hyper fier même d'avoir qu'on ait cédé à un gros groupe de communication. J'en tire beaucoup de satisfaction, quoi, tu vois. Moi, je vous ai suivi tout au long de ces années, et je trouve que vous avez vraiment fait quelque chose de bien. Et en plus, ça se finit bien. Parce que comme tu le dis, vous avez cédé, vous avez vendu votre société à une belle agence de com. La boucle est bouclée. Ouais, c'était objectivement un cycle pour moi qui a duré quasiment 10 ans. C'était hyper prenant, hyper challengeant, hyper angoissant par moment. Mais c'est génial, et c'est la vie de l'entrepreneur. Et c'était un projet qui a été en tout cas hyper excitant, hyper sympa, quoi. Ouais. Et donc direct après, vous avez enchaîné sur KMB Labs. Ouais. Alors en fait, toujours avec Alban. Toujours avec Alban. Alors pendant et après, c'est-à-dire que à un moment, on avait en 2008 avec un de nos collaborateurs qui pris le pari un petit peu fou. De se dire, il y aura un sujet par rapport à la technologie dans les systèmes de messagerie. À l'époque, il y avait la conférence de Facebook, qui était la conférence F8, où ils disent, on va pouvoir développer des chatbots, notamment dans des plateformes comme Messenger. Et nous, quand on gère les social media, on commence à être un peu gros, tu vois, on avait, je sais pas, 50 ou 60 clients, qu'on accompagne au quotidien et compagnie.
Et on se dit, à terme, c'est peut-être une menace pour nous, quoi. Et donc, on a pris le pari un peu fou de se dire, on va créer notre propre technologie. Donc, on a créé une entité dédiée, avec une équipe dédiée, qui, dans un premier temps, avait pour mission de créer la technologie. Donc, ouais. On a recruté un CTO qui est associé, qui est quelqu'un qui est essentiel dans le projet d'aujourd'hui de KMBLarge. Et puis après, on a essayé de mutualiser un petit peu avec notre connaissance des clients, les problématiques, de comment est-ce qu'on pouvait leur suggérer de travailler avec KMBLarge sur des solutions de gestion de conversation dans des plateformes de messagerie à la base. À la base, on faisait que Messenger. Et puis, ben, bon an, mal an, sans faire beaucoup de choses, ça s'est quand même bien développé. La techno, on avait une équipe vraiment dédiée de ça, dessus, donc ça est top, robuste. Et puis, ben, l'entreprise s'est développée un peu naturellement. Quoi. Okay. Et donc, avec Alma, on regardait ça de loin parce qu'on était investi opérationnellement à fond dans Meilleur Age Community, qui était devenu The Social Republic. Et on se disait, bon, ben, le coup d'après, c'est de se dire qu'on a un petit bébé là, qui est sympa et on va essayer d'aller se donner du mal pour le développer aussi, quoi. Ok, bah, super. Donc ça s'est fait naturellement, en fait, la transition. Et avec pas forcément l'envie de faire de pause, en tout cas de mon côté. Ouais, d'accord, vous avez enchaîné directement. Vous êtes chaud là. On est jeune, on a de l'énergie. T'as raison, de toute façon, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Exactement. Est-ce que t'as eu un mentor dans ta vie d'entrepreneur? Alors, peut-être des mentors. Est-ce que tu as des gens qui t'ont marqué, qui t'ont motivé et qui t'ont poussé à devenir ce que tu es devenu et à faire ce que tu as fait? Ouais, alors je pense que j'ai... moi, j'aime bien... je m'alimente beaucoup des gens, en fait. Et donc, je les écoute. Tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, c'est un truc qui me passionne, moi, de base. Donc, j'adore. Et c'est assez marrant parce que moi, je viens, comme je te disais, d'un petit village, en fait, en Normandie, enfin, d'une petite ville qui s'appelle Alençon. Et on a toute une bande de copains. Et en fait, on est quasiment tous entrepreneurs. Ah ouais. C'est assez hallucinant. Et ça fait souvent rire les gens du bureau. Mais on a une dynamique alençonnaise. Plus personne n'habite à Alençon, tout le monde est à Paris, à Marseille, à Hong Kong, partout dans le monde. Ouais. Mais il y a cette dynamique hyper entrepreneuriale. Et d'où ça vient, ça? Et ben, franchement, je ne sais pas. Alors, il y a un background, on va dire, peut-être familial pour les gens. Mais en fait, on a des gens qui étaient... J'ai un de mes super potes, ses parents, enfin, sa maman travaillait en éducation nationale. J'en ai un autre, bon, c'était une entreprise très industrielle. Ça vient de tout, en fait, et de partout. Mais le socle commun, c'est que globalement, quasiment tout le monde a monté des boîtes et tout le monde démerde vachement bien, en fait. Et puis vous vous updatez à chaque fois. Ouais, et on s'update sur... on fait des dîners d'entrepreneurs, toi. Ouais, c'est vraiment, on partage des practices, quoi. Je sais pas, faut que je change de système de facturation, tu prends quoi? Comment tu fais pour les expenses de tes équipes? Comment tu fais pour... Donc au final, t'étais seul, mais t'avais tes potes à qui tu pouvais... On partageait nos partager pratiques. Tes succès, tes échecs, tes difficultés, etc. Ah ouais, c'est top, ça. Et après, il y a eu la deuxième brique quand je suis arrivé à l'école de commerce où, de la même façon, une grosse partie de mes potes ont quand même cet esprit entrepreneurial. D'accord. Et toi, tu as baigné dans un réseau de personnes qui avaient cette fibre et qui l'ont en plus concrétisé. Ouais, clairement. Ouais. Et j'en ai qui ont été entrepreneurs, qui sont devenus salariés, puis qui repasseront entrepreneurs derrière. Mais il y a vraiment cette dynamique, en tout cas, qui est hyper intéressante. Et donc, les week-ends, quand on sortait, on parle tout le temps aussi, on parle de boulot. Putain, j'ai ça comme problématique, j'ai ci, j'ai ça. Là. Et du coup, en fait, on se résolvait un peu les problèmes chacun des uns des autres. Quoi. Donc, en fait, tout le temps, c'était tes potes. Quoi. Ouais, exactement. Et puis, ça te met une bonne dynamique. Parce que tu te dis, si on arrive à faire ça, on fera ça. Et puis, du coup, on se challenge. Génial. Ouais, super. Écoute, c'est cool, hein. Question bateau, mais importante. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Parce que, bon, tu l'as dit, t'as vécu un an difficile quand t'as créé ta société, t'as vécu 10 ans super sympa, mais avec des hauts, des bas, des difficultés. Enfin, on connaît la vie d'entrepreneur, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui te motive quand tu te lèves le matin pour te dire « Allez, je vais aller affronter tout ça. » Je pense déjà il y a le goût du challenge. Ouais. C'est un truc qui est vachement important pour moi. Je me dis comment je vais me challenger au quotidien. Tu vois. Ce qui me motive aussi, je pense que moi, j'aime bien construire des trucs. Et donc, me dire « Tiens, tu vas créer une petite société qui va être amenée à gérer
tout le social media pour des très grosses sociétés, bah, tu vois, j'en tire vachement de fierté, je suis hyper fier de ça. Et j'ai la sensation de construire un truc, de construire une marque, de construire une expertise. Et ça, c'est aujourd'hui hyper motivant pour moi, dans le sens où je me dis, dans l'idéal, je vais bosser encore 10, 15 ans, 20 ans, de construire quelque chose, d'avoir quelque chose qui reste. Ok, alors, sur le plan personnel. T'as le droit de pas répondre. Hein. Alors bon, parce que moi je pars du principe que quand on a créé sa société, ça transpire sur son quotidien. Ouais, d'accord. Quand t'es dans le bain, t'es dans le jus, t'es dans le truc. Alors, est-ce que toi, tu estimes que t'as changé entre le moment où t'as créé ta société et maintenant, en tant que, je sais pas, mari, père, ouais. ami. Bah, j'ai vieilli déjà. Ouais, bon, d'accord. je sais pas si j'ai forcément changé. Après, ce qui est sûr, c'est que tu gagnes. En maturité, c'est tu fais un fois 50 quand tu rentres dans la vie d'entrepreneur, parce qu'en fait, tu es confronté à tellement de problématiques ouais. au quotidien que t'as une vision des choses qui change un petit peu. Je pense que tu essaies aussi d'avoir une vision plus globale et de moins avoir la tête dans le guidon et de regarder ton petit problème et de regarder de manière vraiment. Ça, c'est je pense que ce qui m'a fait beaucoup changer. Après, ce qui m'a fait changer aussi, c'est que, alors c'est encore une fois. T'as toujours des gens qui voient soit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tu vois. Et en fait, moi, je trouve que ce qui m'a le plus changé, c'est que je trouve que le monde est fait d'opportunités. Et plus tu avances dans le temps avec cette vision entrepreneuriale, plus tu te dis, mais c'est incroyable en fait. Il y a tellement de choses à faire ouais. tout le temps, partout. Ouais, mais moi, je dis qu'on n'a pas assez de temps. Exactement. On n'a pas assez de temps. Et là où, entre guillemets, enfin, je pense que je ne suis pas bon parce que moi, je ne sais faire qu'un projet à la fois. Je ne suis pas bon pour dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je m'y perds. Et donc, j'ai besoin d'être focus sur un projet pour essayer de dérouler. Quoi. Et donc, quoi, tu vois les trains qui passent et tu te dis, putain, j'ai envie. Ouais, tu je fais me pas. Dis, j'en vois plein qui passent. Je me dis, putain, il y a vraiment un truc à faire. Et donc, ça, je trouve que c'est. Et t'es pas, alors justement, aujourd'hui, que. Est-ce que tu te dis pas, je vais investir dans des projets plutôt que les faire? Si, si. Bah, ça, c'est une autre. Potentiellement une nouvelle étape de ma vie qui est très nouveau pour moi parce que j'étais vraiment hyper opérationnel et compagnie. Ouais, c'est ça. Alors tu peux faire des projets, j'en vois passer de temps en temps. Après, pour le moment, je n'ai pas encore franchi le cap parce que je me dis, tiens. C'est un autre métier, investisseur. Hein. Ouais, c'est un autre métier et je ne suis pas sûr que si tu es. Tu peux être un très bon entrepreneur, un très mauvais investisseur, et un très bon investisseur, un très mauvais entrepreneur. Donc pour le moment, je pense que si à un moment je vois un truc qui passe et qui est intéressant. Mais t'as envie de le faire. Ouais, je trouve ça sympa. Et toi, à l'époque, je me suis dit, j'aurais peut-être aimé aussi qu'il y ait un mec, et je suis content de pas l'avoir fait au final, mais s'il y a quelqu'un qui était venu me voir en disant, j'y crois à fond, tiens, vas-y, je te mets un petit ticket, et puis tu vas développer plus vite, je pense que j'aurais été content aussi. Quoi. Parlons d'association. Est-ce que tu as besoin d'un associé, toi? Est-ce que tu te dis, j'ai été seul, j'ai prouvé que je pouvais faire les choses seul. Si tu as pris un associé, c'est parce que tu sentais que tu en avais besoin, que tu en avais l'envie, ouais. Ou parce que c'était cette personne-là? Ouais, en fait, il y a eu plusieurs enjeux. C'est-à-dire que le fait de prendre un associé, pour moi, c'était vraiment hyper important dans le sens où tu ne peux pas tout gérer tout seul, tu ne peux pas avoir la bonne vision sur tout, tu as besoin de te faire challenger, contacter tes équipes. Et alors, on a la chance d'avoir des équipes avec des relations hyper proches et compagnie, mais ils ne diront jamais forcément toujours les choses. Alors ouais. qu'un associé, il est là pour dire, voilà, c'est super, c'est génial, on fonce, n'écoute pas les gens. Ou là, c'est de la merde et en fait, arrête quoi. Hein. Et donc pour moi ça c'était vachement important d'avoir un regard, une vision complètement différente. Il y a un sujet de complémentarité quand même parce que quand t'es une petite société t'as besoin d'être au four et au moulin et à un moment tu peux pas tout faire quoi. Et donc ça c'est hyper important et puis à partir du moment où tu trouves la personne à qui déjà tu t'entends bien parce que tu passes quand même beaucoup de temps ensemble en qui t'as une confiance totale et tu te dis on a la même vision, on a la même ambition pour l'entreprise ou pour le projet. Ben ouais, en fait, tu te dis, moi, je j'ai pas envie de revivre un truc tout seul, quoi. Donc, toi, tu as une bonne expérience de l'association. C'est vrai que, en fait, quand tu dis le mot associé, il y a certains entrepreneurs qui ont vraiment peur de ce mot, qui fuient l'association. Ouais.
Après, je pense que c'est propre aussi à chacun. Tu vois, moi, j'ai pas d'ego, j'ai pas je me dis pas, je vais tout prendre pour moi. Je me dis, enfin, pour moi, c'était hyper important. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est que tu avances plus rapidement à 2, à 3, à 4 que quand tu es tout seul, quoi. À un moment, faut être clair. Ouais, Et quand tu mais veux parce que dérouler. tu as cet état d'esprit où tu es prêt à Ouais. partager et que le gâteau n'est pas que pour toi, quoi. Ouais. Mais là-dessus aussi, c'est intéressant parce que, comme à la base, moi, je faisais pas, j'étais pas manager. Quand Allemand est arrivé, et que du coup, bah, je lui ai fait naturellement de la place et compagnie, mais il me dit, t'es un peu solo, quoi, tu vois. On était dans un petit bureau dans le sentier. Et il me dit, faut qu'on fasse les choses ensemble, quoi. Et le but du jeu, moi, c'était pas de lui dire, je fais mon truc, tu fais ton truc. Mais j'étais un peu dans mon truc, ok, Allemand, toi, tu vas gérer cette partie-là, moi, je gère cette partie-là, et puis on fonce, quoi. Et donc, bah, il y a aussi un enjeu de manager ses associés, quoi. Alors justement, d'après toi, c'est quoi les clés de la réussite d'une bonne association? Même si c'est très différent des associés, enfin la Ouais. personnalité des associés rentre en jeu, mais si tu as un conseil, voilà, si tu as un conseil, un petit jeune qui vient, qui te dit, moi je sais pas, j'aimerais me lancer, mais l'association, je sais pas trop. Ben, si déjà, si tu sais pas trop, je pense qu'il faut que tu continues à creuser parce que te Ouais. jette pas. Parce que on dit souvent qu'un projet sur deux il foire à cause de l'association, hein, donc c'est quand même très compliqué. Mais ce qui est important, c'est un d'en avoir envie et deux, en fait, le recrutement là-dessus il est clé, quoi. Parce que faire rentrer un associé qui ça se passe mal, Oui, mais tu peux pas le savoir. Le recrutement, tu pars du principe que sur profil, ton associé, il est top, et après, il y a le quotidien. ouais. Bah, le quotidien, pour que ça fonctionne bien, c'est se dire les choses. C'est des choses, Hyper important, ce qui n'est pas évident, hein. hein. Parfois, tu te dis, je suis content, je suis pas content. Faut réussir à formaliser les choses. Toujours en ayant cette dynamique positive, hein, parce que le but du jeu, c'est qu'on avance ensemble. C'est de se dire les choses, c'est d'être hyper transparent, c'est de partager l'ambition. Et puis après, d'avoir une bonne répartition, je pense, des rôles ou des périmètres. D'accord, ok. Et après, à partir du moment où il faut aussi que chacun y trouve son compte. Ça, c'est hyper important. Parce que s'il y en a un des deux qui Chacun a sent sa lésé, place, etc. bon, c'est plus difficile, quoi. Et après, je dirais, moi, peut-être je rajouterais un autre conseil. Bon, après, c'est mon expérience à moi. Ouais. Mais ce serait le compromis. Ah, C'est-à-dire carrément. que quand tu es associé, effectivement, ce qui compte, c'est la société, c'est la réussite, c'est la dynamique positive. Et que bah, on propose des choses et on peut ne pas être d'accord, et Bien peut-être que sûr. même on n'est souvent pas d'accord, et je trouve que c'est sain Bien sûr. et qu'il faut l'accepter ce Ouais. désaccord et que chacun puisse faire des compromis pour trouver la voie, comme Tout à tu fait. dis, qui fait que chacun va trouver sa place et qu'on sera tous contents Ouais. d'avancer, quoi. Ouais. Et là, moi, j'apprends un nouveau truc dans ma nouvelle expérience avec Camela. Je passe d'une association de 10 ans avec Alban, et puis après, on avait du coup un groupe qui était actionnaire. Donc, mais pas, on avait des sujets, mais qui étaient beaucoup moins opérationnels. Et là, je passe avec KMB Labs, une association où aujourd'hui on est quatre actionnaires. Donc c'est encore un Ah nouveau ouais, sujet. c'est autre chose ça. T'es plus deux, t'es quatre. Mais voilà, je pense que le fait de faire des compromis, c'est vachement important, de respecter le choix des uns et des autres, même éventuellement si parfois t'es pas Non d'accord, mais d'accepter ok, les bah c'est pas désaccords. Je grave, on pense que y le va. désaccord fait partie de Exactement. l'association. Et je Exactement. pense que ceux qui... Alors après, c'est pas une règle absolue, mais celui qui rate son association, quelque part, c'est qu'il accepte pas les désaccords ou l'avis de l'autre. Et si chacun reste sur ses positions... Bah, tu fonces dans le mur, quoi. Ouais, ça c'est certain. Ok, alors on va rester sur les conseils. Ah. Ah. Alors, d'après toi, quelles sont les qualités? Alors, pareil, hein, parce que moi je pars du principe que un entrepreneur, s'il ne transmet pas, c'est qu'il n'a pas fini son travail. Je pense qu'on a une certaine expérience de la vie, même si on est encore jeune et qu'on a encore beaucoup de choses à faire, je pense qu'on a pas mal de choses à transmettre. Et justement, quels sont les conseils que tu peux donner à un petit jeune qui veut se lancer, qui veut créer, ou un petit jeune ou un moins jeune, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être Ouais. entrepreneur? Bah, le premier conseil, moi, que je pourrais leur donner, c'est écoute les gens, mais les écoute pas trop. Ouais. Parce que tu auras toujours quelqu'un pour te dire que ça c'est facile, ou que ça c'est pas facile, ou qu'il faut faire ça, ou qu'il faut pas faire ça. Et que globalement, si à un moment tu as une vraie conviction de ton projet, bah, faut foncer, faut y aller, et tu feras le bilan dans quelques temps, mais n'aie pas de regrets et vas-y, fonce. C'est de bien s'entourer, où Bien là il y a un s'entourer. enjeu clé Ouais. qui est la base, en fait, parce que.
quand tu lances un projet, dans une logique vraiment création pure, tes premiers collaborateurs, ils vont être clés parce que c'est eux qui vont te valider le fait que ton projet, il va marcher ou pas, quoi. Que ça soit sur des sujets techno, que ce soit sur des sujets de service ou d'industrie ou peu importe, les premiers collaborateurs, ils sont tellement importants qu'il y a un enjeu qui est énorme par rapport évidemment, à ça. Évidemment, évidemment. Il y a un enjeu aussi de toujours écouter et de toujours regarder ton marché parce que tu es vite ramené quand tu es entrepreneur, je trouve, dans une petite structure, à être derrière ton bureau et puis tu bosses, tu as 150 demandes tous les jours et tu y vas, et en fait, tu regardes plus le marché que tu as. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça, se forcer de dire tiens, je vais lever la tête, je vais regarder, je vais écouter ce que me disent les clients, je vais aller reposer des questions, et je pose toujours des questions en permanence parce que ton marché, il va évoluer. Et tu as besoin de le sentir. Et tu as besoin de le sentir et tu as besoin de faire évoluer ta boîte en même temps. Si tu restes sur ton positionnement de base qui est peut-être très bien, comment tu vas la faire durer si à un moment tu es obligé de pivoter, quoi. Toute boîte est obligée de pivoter. Et moi, ça m'a marqué de voir comment il y a des boîtes, surtout dans notre environnement, hein, qui ont explosé en termes de croissance, qui ont cartonné et tout. Et puis, 5 ans, 10 ans plus tard, ça part à la cave, quoi. Donc, c'est qu'à un moment, tu as raté ton pivot, tu n'as pas su faire évoluer ton offre. Donc, être à l'écoute de ton marché, je pense que c'est clé. Et donc, peut-être de l'agilité pour aussi, être capable ouais. aussi de, ouais. de changer quand il faut changer, quoi. Ouais. Et de se dire à un moment, OK, ça, on a essayé, on n'arrive pas, ou ça marche moins bien, on change, on arrête et on repart sur un autre truc, quoi. Okay. Ce qui n'est pas évident, parce que quand tu te dis je vais potentiellement détruire des lignes de chiffre d'affaires pour créer quelque chose de différent, bon, normalement tu te dis j'aime bien le risque, mais ouais, j'aime bien sûr. Le risque mesuré. Quoi. Bah, c'est, oui, puis le risque fait partie. De toute façon, ouais, non, mais tu as tout dit, c'est-à-dire que le risque fait partie du quotidien, mais on n'est pas obligé de prendre des risques incontrôlés. Quoi. Il faut quand même maîtriser ce qu'on fait pour pouvoir avancer. Parce que derrière, les gens voient toujours le côté entrepreneur comme. Celui qui gagne de l'argent, etc. Mais il y a quand même des salaires, il y a quand même une responsabilité. Ouais. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une responsabilité du staff. Quoi. T'as des gens qui vivent grâce au salaire que ta société leur donne. Quoi. Ils ont acheté peut-être des apparts, ils ont des projets, etc. Et donc, il faut la faire évoluer. Quoi. Ouais, ouais. Si tu ne la fais pas évoluer, et si tu vas dans le mur, bah, c'est ciao tout le monde. Hein. Ouais. Ouais, ça je suis 100% d'accord. Et c'est vrai que bah, quand tu es. Tu as connu ça tout autant que moi, mais c'est vrai que quand tu as une société qui est amenée à se développer, tu vois, au moment où on est monté jusqu'à 50 personnes, tu regardes tes trucs, tu vois tes chartes, tu vois tes. Et c'est vrai que tu dis, bon, je suis hyper confiant parce que c'est cool, et plus tu es nombreux, plus tu vas potentiellement limiter ton risque, mais plus tu l'augmentes aussi vis-à-vis de pas mal de choses. Tu as des petits coups de vertige de temps en temps. Ouais, tu te dis, bon, on regarde pas ça. Alors la chance qu'on a eue, et ça c'était génial, c'est qu'on a fait que de la croissance tout le temps, donc. T'es pas à regarder à l'euro près parce que tu te dis bon voilà on fait de la croissance et si tu perds un client on s'en fout on gagnera un autre derrière mais ça n'empêche que parfois tu prends des petits coups de chaud ouais bien sûr ok et les qualités d'après toi si on parle de qualités qu'il faut avoir pour entreprendre aujourd'hui ou dans le monde où on est où tout va à 2000 à l'heure quelles sont les qualités qu'il faut avoir enfin, je pense qu'à un moment il faut être en dehors de ta vision sur ton projet que tu peux avoir et qui peut être une qualité d'arriver à voir le coup d'après potentiellement. Et ça, c'est pas toujours facile. Parfois, tu vas y arriver, parfois, tu vas te tromper et compagnie. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup d'énergie hein, parce que ça te pompe. Ça te pompe quand même fort. Il faut aimer les challenges. Parce qu'en fait, ta vie est un challenge au quotidien. Tu dis que tu as que des nouveaux projets, des nouveaux trucs qu'il faut faire. Et donc, ce n'est que des challenges. Il faut être fédérateur, comme je te le disais. Et puis après, il faut donner envie, je pense. Il faut donner envie aussi bien en interne qu'en externe de dire, venez, on est dans un projet cool. Ouais. Et venez contribuer à l'histoire ou à l'aventure. Quoi. Alors, en termes de recrutement. Sont les profils que tu vas rechercher, les difficultés que tu rencontres. Alors, donc aujourd'hui, KMB Labs, on est 10 personnes. Globalement, c'est 8 personnes à IT, 2 personnes, Alban et moi, en charge de la commercialisation de l'offre. On va avoir des projets aujourd'hui, donc on est arrivé en fin d'année à la structure. On met les mains dans le cambouis de manière très opérationnelle pour passer de 40 clients à 200, 300, 400 à moyen terme. On a des enjeux tech hyper forts. Donc là, nous, on cherche des gens qui sont passionnés par les sujets tech,
dans un environnement globalement très structuré dans AWS, donc Amazon Web Services, dans lequel on fait quand même beaucoup de nos projets. On va être amené très certainement aussi à staffer l'équipe commerciale, à créer une équipe marketing. Donc, pour le moment, on est en train de travailler sur les budgets, de voir comment est-ce qu'on va dérouler la roadmap, parce que quand on va devoir accélérer, il nous faut des gens pour aller faire du business, il faut des gens pour chercher, pour shooter nos clients, il nous faut des gens pour créer toujours des super produits et maintenir tous nos systèmes. Donc, ça va être des développeurs, ça va être des customer success, ça va être des sales, ça va être des SDR, ça va être... Il y a une vraie équipe à mettre en place. Exactement. Donc là, il y a tout à faire. Donc là, c'est à horizon quoi, 2022-2023. Ouais. Okay, et super. Après, on réfléchit en fait aux différentes modalités de fonctionnement, savoir si on y va de manière organique ou de manière plus industrialisée avec potentiellement l'arrivée d'un investisseur. D'accord, ok. Ah oui, tiens, j'ai une question toujours sur le recrutement que j'aime bien poser aux entrepreneurs, parce qu'on parle toujours des recruteurs et on parle toujours des candidats, on parle rarement des entrepreneurs. Quel regard tu as, toi, sur le marché de l'emploi actuel? Je pense que je ne vais choquer personne en disant que le marché de recrutement est super dur. Très tendu en ce moment. Hyper tendu. Il y a un sujet d'adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand tu as besoin de recruter des gens sur globalement au sens large, les métiers du digital, tu n'as pas forcément suffisamment de ressources. Donc en fait, tu as deux enjeux. Soit tu te dis, bon, je vais prendre des gens, je vais les former. Donc, je vais prendre des gens qui sortent d'école ou juniors, qui sont des gens qui sont géniaux, mais avec beaucoup d'envie, beaucoup d'exigences. Et parfois, tu as un petit décalage entre ce que tu attends d'eux et ce qu'ils attendent de toi. Et puis après, bah, du coup, tu as un autre sujet de dire, je vais aller chercher des ressources en externe qui sont déjà expérimentées, qui vont être beaucoup plus plug and play. Et là, bah, du coup, tu vas t'acheter un peu plus de confort, quoi. Mais... le recrutement, c'était le nerf de la guerre dans notre ancienne activité. Ça le sera dans la nouvelle. Et c'est hyper dur. Et on a essayé tous les trucs. Hein. On a essayé de la cooptation par des cabinets, d'aller sourcer, chasser nous-mêmes en direct. Et en fait, on n'a pas trouvé la formule idéale. Je pense que c'est la somme des choses qui fait que, qu'à un moment... C'est pas évident pour la trouver. Et quel conseil tu as donné aux candidats? Dire, voilà, à partir... Mais, peu importe, hein, que ce soit pour ta société ou pas, peu importe, je suis candidat, je postule. Quel conseil tu donnes aux candidats pour que tout le monde y trouve son compte et que le marché soit, on va dire, un petit peu plus fluide? Je pense que le principal conseil, nous ce qu'on aimait faire, hein, mais le principal conseil, c'est de recruter des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Parce que tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas pouvoir les tirer vers le haut beaucoup plus facilement, ça va pouvoir répondre aussi à ton besoin très opérationnel du quotidien de manière beaucoup plus rapide. Donc, des gens passionnés qui ont envie d'apprendre et qui ont un bon savoir-être, en fait, aussi. Je pense que c'est important. Nous, on le disait souvent et on le dit toujours, hein, il y a le savoir-être et il y a le savoir-faire. Le savoir-être, parfois, il est quasiment aussi important que le savoir-faire. Moi, je donne un exemple. J'ai reçu un commercial la fois en entretien. Il est venu en t-shirt. Alors, moi, on travaille ici, t-shirt, veste, ça ne me dérange pas. Mais sur un entretien d'embauche, franchement, ça m'a choqué. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais de plus en plus, je trouve que t'as quand même, tu sens un écart générationnel. Alors, peut-être qu'on vit. Mais c'est vrai que tu te dis, moi, j'aurais jamais osé poser cette question-là. Ou j'aurais jamais osé venir comme ça. Ou je te rejoins. C'est vrai que parfois, les gens sont surprenants, quoi. Les gens qui arrivent, qui débarquent en entretien, alors tu dis qu'est-ce que vous savez de nous, en fait, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Les gens qui sont incapables de te restituer l'activité d'une boîte dans laquelle ils viennent de postuler, qui se déplacent pour faire un entretien, tu dis bon, ça commence mal là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vais pas forcément éliminer quelqu'un qui vient en t-shirt, mais à candidature égale, quand tu as quelqu'un qui va faire l'effort, qui est aussi bon, forcément tu marques des points, enfin je trouve enfin bon, après c'est effectivement peut-être qu'on devient vieux jeu, je sais pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à vivre avec notre temps, et c'est vrai que moi je le découvre là dans un environnement qui est complètement différent de celui dans lequel j'étais avant, très tech, et il y a des trucs où c'est nouveau, quoi. C'est à dire que puis je veux pas faire le vieux con, mais c'est nouveau pour moi, tu vois. Ça, c'est un sujet aussi de la façon dont on consomme. Enfin, moi, ça a marqué la façon dont les gens consomment leur job, en fait. De dire, je viens, je fais un an, deux ans, je m'en vais, je change, j'en fais deux ans. Ouais. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre parce que je me dis qu'il y a tellement de choses à apprendre dans une entreprise. Alors, après,
tu vois, ça va matcher, ça va pas matcher. Tu te dis, ok, la boîte elle est faite pour moi ou pas du tout. Et malheureusement, parfois, il y a des erreurs de casting et tu te dis, bon, bah, je comprends, je suis désolé que tu t'épanouisses pas. Et on se quitte mon copain et c'est super. Mais les gens qui arrivent à. C'était assez bluffant parfois des gens qui arrivent et qui te disent, au bout de 6 mois, j'ai fait le tour. Ouais. Et toi, tu as le retour du manager ou même la vision que tu peux avoir de la personne. Dire, ouais, bah écoute. Si tu as cette image-là, c'est que c'est mieux que ça. Toi, maintenant, toi, tu n'arrives pas à trouver assez de temps pour faire tout ce que tu as à faire. Et certaines personnes, en 6 mois, ils ont fait le tour de ton boulot. Ouais, non, je sais. Ouais. Bon, après, c'est une mentalité. Et je pense que le regard d'un entrepreneur sera toujours très différent d'un regard. Tu viens pas pour la même chose. D'un manager, d'un salarié. Ouais. Enfin, voilà, c'est effectivement, quand tu es entrepreneur, tu travailles tout le temps, à tout moment, même quand tu dors. Quoi. Ouais, donc, non, mais oui, non, mais. On aura toujours cette différence, quoi. Parlons réseau professionnel. Je pense que c'est très important, le réseau professionnel pour un entrepreneur. Comment tu travailles ton réseau pro? Alors, déjà, j'essaie de l'entretenir, le réseau. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand tu manques de temps et que tu rencontres des gens intéressants, tu te dis, ah, ce mec-là, il est vraiment bon, cette fille, elle est super intéressante, j'aimerais bien la revoir, j'aimerais bien lui poser des questions, j'aimerais bien. Et donc, tu as le moment où tu te dis, bah, ça serait bien que je le fasse et je le fais vraiment. Déjà, tu as un vrai décalage. Donc, moi, j'essaie vraiment d'entretenir, même si c'est hyper rapide, d'aller faire un petit déjeuner, une demi-heure, de se déter sur des trucs. Je ne suis pas du tout partie des trucs d'associations, d'entrepreneurs et compagnie. On s'est longtemps posé la question. Avec Alban. Après, spontanément, c'est pas mon style, moi, d'aller voir des gens que je connais pas et dire salut, moi je fais ça et toi tu fais quoi. C'est pas ma personnalité. Okay. Mais mine de rien, je pense que le fait de capitaliser sur un marché, sur un environnement depuis 15 ans, bah, tu te le fais quand même assez naturellement entre tes clients, entre tes partenaires. On essaie d'être sympa avec les gens, donc bah, les gens nous le rendent aussi. Et puis après, bah, on l'entretient. C'est-à-dire que. Enfin, voilà, on va organiser des rencontres, on va faire venir les gens dans nos bureaux, on va essayer de s'intéresser sur des conférences et autres, ou participer directement. Et donc, ça se fait un peu naturellement, mais on l'entretient quand même. Ça fait partie, j'imagine, des conseils que tu peux donner à un entrepreneur, c'est ton réseau pro. Ouais. C'est ton meilleur carnet d'adresse, quoi. Ben, en fait, ça va être un accélérateur à certains moments. Ça va être ce qui va te permettre de mieux comprendre certaines situations. Ça va te permettre d'avoir un regard différent sur un projet ou autre. Et puis, tu as les infos, en fait, par le réseau. Et le fait d'avoir de l'info, de pouvoir demander de l'info à des gens, bah, ça change tout, en fait. Ça change tout. Tu vas sur un projet, tu vas pas. Et tu gagnes du temps. Mais ça t'ouvre des opportunités, forcément. Tout. Et puis non, la recommandation, c'est un sujet qui marche bien, quoi. Je t'appelle de la part de évidemment. La personne, ouais. Ça va mieux, quoi. Et puis quand t'es fiable, t'es reconnaissant et que tu fais pas n'importe quoi, globalement, ça marche bien, quoi. De toute façon, on fait partie de cette école, chez Quel Job en tout cas, ouais. Où on avait l'habitude de travailler notre réputation. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois tous les anciens un peu de Quel Job qui ont créé des sociétés, on a tous ce côté, il faut qu'on travaille et que les gens reconnaissent qu'on fait de la qualité, qu'on fait du bon travail. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à durer quelque part. C'était la position de challenger. Hein. Ouais, ouais. On était des challengers à l'époque chez Quel Job. Mais on aurait pu se reposer à un moment donné, quand Quel Job était au top de sa forme, on aurait pu se reposer et dire c'est bon maintenant. Ouais. Et en fait, on a toujours eu ce besoin de montrer qu'on fait de la qualité, comme si c'était même pas Quel Job qu'on vendait, c'était nous, ouais. Notre nom, ouais, qu'on vendait et qu'on avait la caution qualité. Quoi. Ouais. C'est vrai que même Quel Job, c'était une super. Et après, à Denpacify, mais c'était une super école d'entrepreneuriat au final. Parce que ouais, vous voyez tout ce qui se passait, tout ce qui se déroulait et compagnie. Je prends l'exemple, vous, avec Sébastien, quand vous annoncez votre départ à l'époque chez Identify, pour dire on va créer un projet entrepreneurial, les deux Olivier à l'époque, qui créent une agence qui est devenue un énorme truc. Il y a eu des beaux succès. Des beaux succès. Hein, très beaux succès. Et dans plein d'environnements différents et avec des beaux trucs. Quoi, hein. Ouais, ouais. Donc, c'est clair qu'il y avait cette culture, quand même, je trouve, du business au sens large qui était un peu. On était picousé à ça, quoi. Ouais, carrément. Non, on a eu la chance de rentrer encore une fois. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu fais du sport? Ah.
je cours pas mal. En fait, moi, j'avais besoin de trouver un truc. Je pense que comme tout le monde, au début, quand tu mets à courir, tu trouves ça chiant comme la mort. Ouais. Et en fait, c'est le seul sport que j'ai réussi à garder dans la durée, à dire quoi qu'il se passe, où que je sois, tu je cours. Suis sûr d'y aller. Et donc, c'est quoi? Tu te mets des challenges? Ouais, je me suis mis des challenges. Du coup, je me suis fait, j'ai commencé à courir bêtement. Puis après, j'ai fait des semi-marathons. Puis après, j'ai fait des trails. Et puis après, j'ai fait des trucs dans la montagne. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais essayer des triathlons. Donc, j'ai essayé tous ces trucs-là qui me plaisent bien. J'aime, du coup, encore une fois, ça revient à mon goût du challenge. J'aime l'effort, en fait. J'aime la difficulté, parfois. T'aimes la difficulté. J'aime me dire, tiens, je me surpasse pour arriver à mettre, te mettre un petit peu en risque pour te surpasser. Ouais. Et je trouve que tu vois, le fait d'avoir cette culture ou ce goût de l'effort, bah derrière, professionnellement, je trouve que ça t'aide vachement parce que tu es plus endurant, parce que tu as une faculté de résilience qui est plus élevée, parce que quand tu fais des trucs parfois qui sont un peu durs, alors je ne sais pas, on fait des trucs incroyables, mais quand tu vas faire 100 km dans la montagne en Corse, c'est pas incroyable pour toi, pour moi c'est incroyable. Et tu dis, je suis dans le dur là, je suis vraiment dans le dur, mais tu vas, t'as pas le choix et compagnie, bah ça te rend chaud que moi en tant qu'homme ça me rend plus fort derrière. Je me dis, bon, tu fais ça, ça te donne la pêche. Ouais, bah, bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très important de parler des passions, des hobbies. Et c'est un bon échappatoire. Et c'est un super échappatoire et on en a besoin. On a vraiment besoin. Et je pense que c'est important parce que souvent tu rentres sur un CV, le côté hobby. Ou passion, il est toujours, mais deux lignes en tout petit parce qu'il faut le mettre, Et moi, je me suis toujours dit, quand même dommage qu'en France, on n'apporte pas plus d'importance à ce côté, parce que tout ça, c'est du mental. C'est ce que tu vas apporter en plus de ta compétence. Et on met trop l'accent sur la compétence et pas assez sur le soft skill. Je trouve ça quand même dommage. Mais tu as des boîtes là-dessus qui sont hyper fortes. Je prends l'exemple de Decathlon. Ils recrutent des gens par rapport à une passion. Par rapport à une passion, et bah ta oui. Ta passion devient. Alors, tu fais pas que la passion, mais ta passion devient un métier, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Et d'avoir un socle commun pour créer derrière des valeurs d'entreprise, pour créer un projet ensemble et compagnie, c'est essentiel. Bah oui, c'est sûr. Et c'est vrai que nous, on était assez attentifs quand on recrutait aussi, sur, et quand on recrute toujours, hein, c'est quoi tes passions, t'aimes quoi dans la vie. Et en fait, ça va nous permettre de se dire aussi si tu vas t'épanouir dans l'entreprise ou pas, parce que. Voilà, tu as aussi des cultures, on passe quand même beaucoup de temps ensemble et c'est sympa de pouvoir partager en fait, des passions. Ouais. Et après, je pense que voilà, quand tu es entrepreneur et que tu as ce goût du challenge, forcément, même pas entrepreneur, quand tu es même salarié, même tu commences dans la vie, tu es commercial, tu as ce goût du challenge, forcément tu vas te dépasser, forcément tu iras toujours chercher le plus loin. Le plus loin, ouais, c'est clair. Et après, la culture de la perf aussi, qui est souvent liée avec le sport, hein, si tu aimes bien aller. Chercher de la performance, bon, bah, ça a le reflet sur toi et ça a le reflet sur tes équipes. Et là-dessus, je prends l'exemple d'Alban, lui qui est un grand fan de sport et de performance. Il t'a dit, voilà, tu vas chercher plus loin, toujours, en permanence, tu fais l'air. Et ouais, c'est des trucs qui sont hyper importants. Et c'est là où il faut embarquer les gens. Ouais. C'est là où il faut avoir ce leadership. Ouais. Pour pouvoir embarquer les gens dans ce délire, d'aller chercher toujours plus loin, venez, plus haut, de se faire mal. On va se faire mal, mais on va vraiment se marrer et tout le monde va être content. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Et quand tu regardes dans le rétro derrière, tu te dis, ah, tout ce qu'on a fait, c'est incroyable. Alors, quels sont les enjeux? Alors, on a parlé de KMB Labs. Quels sont les enjeux à venir, à part KMB Labs, qu'il faut déjà développer, qui est déjà un sacré enjeu? On a un gros challenge, un super challenge et ça peut être une super histoire. Et à côté de ça, bah, je pense que mon enjeu, si je suis très égoïste par rapport à ça, c'est continuer à m'épanouir professionnellement dans des histoires entrepreneuriales qui me font vibrer en fait. Ouais. Je pense que c'est ça. Toujours prendre du plaisir. Ouais, t'éclater. En fait, on arrive aussi dans un âge où j'ai fait toute une première partie de ma vie. Et je me suis éclaté, c'était génial. La deuxième partie, j'aimerais qu'elle soit complémentaire de la première et de continuer à travailler dur et à m'épanouir à fond, à avoir toujours cette sensation de créer des trucs. Ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et puis, de marrer, quoi. Parce qu'en fait, quand on travaille beaucoup, si tu ne marres pas, à un moment, c'est chiant, quoi. Tu ne prends pas plaisir. Donc, si j'arrive à bien combiner.
le projet sympa, bien marré, avec les bonnes personnes, les bonnes équipes, je suis très heureux, quoi. Super. Eh ben merci pour cet entretien, ça m'a fait plaisir. Et puis à bientôt pour un autre Planet of Boss avec d'autres entrepreneurs. Merci.